Ces mecs qui sont de jeux vidéo et tout. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Spider-Man. Dernière vidéo, on a lavé le lézard. Mais le symbiote, il commence à nous rendre un peu. Adapté un peu. Wesh. Peter, il devient fou, hein. Bref. Là, on doit aller voir Harry. Harry, il a dit, il est malade et tout. Il a besoin du costume. Mais on dirait Peter, il veut pas lui donner. Peter, il a dit, ouais. Ah, son père, il est riche, il va trouver des solutions. J'aime bien et tout. Il disait des trucs comme ça et tout. Donc, j'ai fait quelques crimes là, quelques missions secondaires pendant que j'étais off. Puis, là, j'ai augmenté un peu mon Venom. J'ai des nouvelles compétences, hein. Méchant. Let's go. En tout cas, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je kiffe les déplacements. Non, j'ai celle qui force, j'arrive. Alors, où est-ce qu'il est? Alerte web du Bugle! Nouvel article d'MJ! Non! Elle l'a publié avant de me le faire lire! Bah, en même temps, t'étais aigri, frère! Ok. Où est-ce que je dois aller là? Ah oui, merde, mais je suis un fou quoi! J'ai complètement perdu le sens des. De la circulation là, quoi! Let's go. Eh ben on dirait les, là où il habite, non? C'est là où il habite. Ah, intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer cet épisode. MJ, mais qu'est-ce que tu fais? C'est MJ qui a fait ça? Mais c'est une bâtard! Elle fait ça, wesh, ça se fait pas, wesh. Eh hey, mon pote, tu te sens bien? C'est quoi ce bruit là? J'ai besoin de ce costume. Vite. Est-ce que t'as des souvenirs de la nuit dernière? Les gars, je suis désolé, pardon. Mais c'est dingue. Je me souviens juste que j'étais crevé. Pete, tu n'es pas toi-même. Ce costume te transforme. C'est uniquement grâce à lui que je suis encore en vie. Venons, fais comme s'il n'y avait rien. Ouais, il est plutôt cool, hein. Ouais. Prends quelques cachets et crache ce que t'as sur le cœur. Hé, hey, arrête! Je me mets en quatre pour essayer de te sauver. Tu pourrais me remercier. Arrête, je t'ai hein. dit d'arrêter. J'ai vu ton histoire. J'ai essayé de t'en parler. T'as changé d'avis, c'est ça? Non, moi par contre, je suis pas avec MJ. Hein. Je peux pas perdre ce boulot, Pete. Ton boulot, c'est d'écrire la vérité. Je suis pas accordé avec MJ. T'as raison. La vérité, c'est que c'est moi le héros, pas toi. Cher, bien fait. Moi, je suis d'accord avec lui. Je crois que c'est un développeur ispougnette. J'ai une théorie. J'ai une grosse théorie sur ce bruit. Ah bah c'est parti. Pourquoi il crie, wesh? Comment ça s'est passé avec Harry? Ben... Vous en faites pas, Harry va se remettre. Merci. Merci d'être là pour lui. Je vous ai vus grandir ensemble. Tu es comme un fils pour moi.
Jalousie. Je suis si fier de l'homme que tu es devenu. Venom. Merci. Pardon. Monsieur Osborne. Il faut que j'y aille. Ok. Allez, salut Osborne. À la prochaine, hein. Bouffon vert. Green Goblin. Laisse-moi, il va dire ça. Va-t'en. Je savais. Oh non, je suis trop fort. Je suis un devin. Harry. Va-t'en, je t'ai dit. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et comme d'habitude, je peux compter que sur moi-même. Trouver Miles. Ouais. Peter, où est Miles? Il n'est pas rentré hier soir et il répond pas à mes appels. Allô? Je suis à mon bureau. Dites-lui de passer me voir, tout de suite. Pourquoi personne ne peut se débrouiller tout seul? Ferme ta toujours tout faire. Arrête d'être aigri aussi, je suis de ton côté, mais arrête d'être aigri, Peter, pitié. Non, je suis sûre qu'il va bien. Mais tu m'appelleras si tu le vois. C'est gentil de nous. Miles? Je vous ai appelé. Ça fait des heures. Et rien. Vous savez que Miles est à la poursuite de lui. Je vais le trouver. J'appelle les hôpitaux. J'ai dit que je le trouverai. Vas-y. Je contrôle la situation. Tout ce qui intéresse Miles, c'est d'être un meilleur Spider-Man. Il ne parle ni de ses cours, ni de ses camarades. Il ne parle que de vous. Vous devez l'aider. Ah Peter, des fois il fait des phases, il m'énerve, hein. Même moi je commence à être yombe de lui, hein. Je vous mens pas. Comment j'ai atterri là? Comment je vais me sortir de là, moi? Ah ouais, t'as pas intérêt à toucher le sol, mon pote. La sécurité rigole pas ici. C'est facile. Ça a pas marché. Mais peut-être qu'avec les autres. Et deux. Ah. Ah, ok. Oh, ouais. Lee. Il était ici. Ils étaient tous prisonniers. Ah, ouais. C'est qui ce type qui m'a assommé? Et puis TMJ, qu'est-ce qu'ils deviennent? Y'a que Miles qui s'inquiète pour Peter. L'araignée n'a aucune chance. Paris. Pour Spider-Man, peut-être. Le petit, là. Les petits sont souvent... Pas curieux. Si Kraven est curieux, moi aussi. Mais pour moi, y a pas photo. Je crois que je vais les laver à deux, hein. On va laver lui en premier. T'as raison. Les plus petits sont plus rapides.
Reste là-bas. Allez, coucher. Ok, là je dois faire quoi? Fermer la porte? Non. Ok. Ah si. Hey, il a des Nike. Oh là là. Pourquoi Kraven m'emprisonnerait là-dedans? Comme qui? J'ai besoin de toi, mon vieux. C'est toi, ce truc. Oh là là. Oh là là. Oh, les du poison. Je dois dégager de là. Ces générateurs doivent alimenter les ventilos. C'est mieux, mais pas suffisant. C'est qu'elle est méchant. Je crois bien que c'est la seule issue. Vous savez où se trouve la sortie? Pourquoi? Tu pourras jamais partir d'ici. C'est ce que je commence à penser. Alors là-bas, si j'y suis, toi. Sur ce coup-là, pas vrai? Comme à chaque fois. Maintenant, montre-nous de quoi tu es capable. Faut pas qu'il me touche! Viens là, viens là. Eh hey, les archers commencent à me saouler là. Wow, c'est rapide! Faut que je garde mes distances. Mais meurt, il veut pas mourir. C'est pas possible d'être fort comme ça, wesh. C'est pas possible. Méchant. Oh là là, enfin il est mort lui. Je les ai tous eus.
Il doit bien y avoir une sortie. J'ai l'impression qu'ils m'attendent tous. Ah ouais, t'as l'impression. Cet endroit est gigantesque. Et si les chasseurs savaient qui je suis vraiment? Et s'ils m'avaient retiré mon masque? Et si... Ils s'en prenaient à ma mère. Gonki, est-ce que tu me reçois? S'il te plaît. Et si... Kraven réclame plus de drones rapaces à l'étage. C'est qu'il doit bien s'amuser. J'ai failli tomber. Ok. Désolé, je parle pas beaucoup, je suis à fond dans l'histoire, hein, comme d'hab. Ah, encore des chasseurs. Qu'est-ce que Kraven a l'air de penser que c'est la proie ultime. Je ne parle pas beaucoup en vrai. Il y a de l'électricité dans... Après tous ceux qui ont échoué, c'est comme si rien ni personne ne pouvait le tuer. Ouais, on verra bien. Là, je fais le masterclass, j'ai éliminé les plus relous là. Ok, c'est bon. Je pourrais défoncer la porte. Ça ferait du bruit. Il y a peut-être un autre moyen. Les plus relous là, c'est qui? Y'a pas des jeux avec des sabres? Non. Bon, on va niquer lui, hein. Deux morts. Pas que j'oublie que j'ai mon super mon R3 L3 là. Allez, hop. Bye bye, bonne nuit, good night. Mais il est pas mort lui. Oh, bonne nuit. Allez, fais un beau doudou. Dis bonjour à ta maman de ma part. Ça ressemble à une sortie. Je dois découvrir pourquoi Kraven m'a amené ici. Ouais, Kraven, il faut que je me sorte de là et que j'appelle Spider-Man. S'il est d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est une blague. Mais c'est... Ok. C'est que là, en ça, ils me lavent. Hein. Là, vraiment... S'ils se mettent tous contre moi, je suis mort. Vraiment. Ça ne marchera pas. J'ai essayé. Je t'attendais plus tôt. Et l'énergie de la jeunesse, alors, hein? Battez-vous à mort. Vous mourrez ici ensemble. Alors combien de personnes est-ce que t'as tué avant que j'arrive? J'avais pas vraiment le choix. On a toujours le choix. On est
ai assez de perdre mon temps à combattre des minages. Oh non. Prouve que tu es digne de ma vie. Je comprends que t'aies envie de me tuer. Mais je ne peux pas te laisser faire. Et pourquoi est-ce que je vous laisserai vivre? Je ne mourrai pas comme l'homme que j'ai été. Vous avez des comptes à rendre après ce que vous avez fait. Les démons intérieurs, le souffle du diable, l'attentat de l'hôtel de ville. Ne me remémore pas des péchés. Je sais, je sais. Oh là là. Vous imaginez même pas. Il est rapide. Faut que je trouve une ouverture. Oui. Carven vous a pris au piège. Vous êtes là de votre plein gré. Épargne-moi ta condescendance. On est dans la même arène. Décidément, même la prison vous a pas changé. Bon. Il est fait quelque chose en toi, l'araignée. Et réciproquement, montre-moi plus. Oh le bâtard. Bouge! Je vais pas devoir le rattraper 20 000 fois, quoi. Sa barre de vie. C'est beau, ça. Je me sens bizarre. Il a perturbé ma bioélectricité. Oh lolo. Il n'y a plus d'énergie négative. Je retrouve mes pouvoirs. Voilà. À présent, montre-nous ta planche. Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait? Quoi que j'ai pu faire dans le passé, ça n'avait rien de personnel. Eh bien pour moi, ça l'était! Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir! Je l'ai battu. Oh oui. On va faire ça à ma façon. Où tu te caches? Je
refuse de voir ça, mon boss. C'est pas vrai. Ça, c'est toi. C'est vrai. Faut pas que je me déconcentre. Je suis pas vraiment ici. Rien de tout ça n'est réel. Quoi de plus réel que la peur? Vous essayez de me faire quoi? Je fouille ton âme du regard. Je vois un garçon. Terrifié d'être seul. Et à l'idée de trahir sa famille. Vous gaspillez votre salive! Vous m'échapperez pas! Vous... ne pouvez pas... me faire de mal! Tout le monde a un point de rupture. Même Spider-Man. Il suffit tout simplement de le trouver. Et sache que j'ai tout le temps nécessaire pour creuser en toi. Laissez ma tête tranquille! Laissez ta tête? Mais il y a tellement de choses à voir là-dedans. C'est dingue votre expression. Déjà le boss, rien que le boss, j'ai galéré vraiment. Oh là là. Tellement de doutes. Non, je vous écoute pas! Tu es fort. Mais penses-tu être aussi fort que tu le prétends? Arrêtez, Ellie! Il est où? C'est quoi ce combat de boss qui dure 8 ans là? Miles! Hit? T'es à la ramasse! Je veux dire, j'ai essayé! J'ai essayé de t'apprendre! De faire de toi un héros! Je savais très bien que tu serais les dernières secondes, mais. Tu sais rien faire à part décevoir les gens. Les mettre en danger. C'est indigne de Spider-Man. Spider-Man aide les gens. Toi, tu leur fais du mal. Non, c'est pas vrai. Hé, hey, j'y suis pour rien, moi. En vrai, c'est même pas moi que tu déçois le plus. C'est ton père? Non! Alors, tu t'appelles Miles. Qui es-tu vraiment? Miles. Ramenez-vous, Lee! Creusons encore. Oh là là. Venez vous battre! Une bonne fois pour toutes! Venez vous battre! T'es taré ou quoi, Miles? Je ne suis pas naïf, Lee! Ouais, bah moi non plus. Je suis toujours là pour toi. Je me coupe en quatre pour toi. J'écoute toujours pas! Ouais, ça m'étonne pas que tu dises ça. Parce qu'il n'y a rien qui compte à part toi, hein? Tu penses qu'à toi. Tu me mets en danger. C'est fou. Tu mets Ellie en danger. Et tout ça pourquoi? On a quoi en échange, nous? Je sais, je... Des accessoires. C'est tout ce qu'on est. Mais on terminera comme Finn. Gonky! Gonky! Je sais que j'ai dit que c'était pas ta faute, mais... En fait, j'avais de la peine pour toi, c'est tout. Je voulais pas que tu te sentes responsable. Surtout après la mort de... Non! Surtout après la mort de ton... La ferme! Ça prendra fin dès que tu le souviendras, Miles. Tu finiras par me laisser entrer. Mais en attendant, débat-toi. Micro. Micro, où es-tu? Non! Je suis là, maman. Ça ne peut plus durer, Miles. Tu es toujours absent. Toujours en danger. Je sais. Tu vas finir par te faire tuer. Non, je te jure. À quoi bon? Tu ne peux pas gagner, Miles. J'aurais jamais dû te laisser essayer. Le seul résultat, c'est que je me retrouve encore plus seul. Je cours encore plus de danger. Non. Je vais te protéger. Compte sur moi. J'ai déjà entendu ça. Je te promets. Je parle pas de toi. Le jour où il est mort... Maman! Ton père m'a dit, le matin même, que tout ce qu'il faisait... Non! Non, non, non! Miles, je t'en prie. Je t'aime. Ça suffit, Lee! Miles... J'ai dit ça suffit!
Tu as raison. C'est plus que suffisant. J'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Voilà, il va se passer quoi là? Ça va, fiston. Ça me fait du bien de te revoir. Ça a changé depuis mon départ. T'es devenu un vrai héros. Mais j'ai pas pu te sauver. Ni Finn. Si Spider-Man ne peut pas protéger tout le monde, alors qui le pourra? Arrête. Tu es beaucoup plus que Spider-Man. Tu peux essayer de te cacher derrière ce masque, mais je sais qui tu es. Et ce que tu défends, je garde un œil sur toi. C'est vrai? Et ça me désole. Où est passé l'enfant que j'ai élevé? Tu es un lâche. C'est méchant. La honte de notre famille. Non, tu le penses pas! Je le pense. On le pense tous. Tu es un raté, Miles. Tu le seras toujours. Non! Vous diriez jamais ça! Aucun de vous! J'suis pas... Il est temps de laisser tomber. Abandonne, Miles. Non. Abandonne. Non, jamais. Abandonne. 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 I will never give up, ever. Non. C'est terminé, Lee. J'ai plus envie de jouer à votre jeu. Vous voulez savoir qui je suis? Je suis le gosse dont vous avez tué le père à l'hôtel de ville. Quoi? Il est mort parce que vous aviez décidé que vos problèmes étaient plus importants que la vie de tous ces gens. Jefferson Davis était un héros qui protégeait la ville de gens comme vous. Miles. Non! Je t'ai assez écouté. La disparition de mon père. C'était pas ça le problème. C'était moi le responsable. Mais c'est terminé. Spider-Man. Ne les laissez pas s'échapper! C'est une dinguerie. Je suis concentré, désolé les frères. Je parle plus. Oh là là. Il nous laisse comme ça là. Hey, Mister Négatif aurait été aperçu à proximité du fist à Chinatown. Et aucun signe de Miles. Je crois que... Miles va bien. On est en train de le chercher. Trouvez Lee. Miles doit être là-bas aussi. Forcément. Je vais aller voir. S'il a touché ne serait-ce qu'un cheveu de Miles. Ah là, tu fais craquer, tu le défends. Allô? C'est le docteur Connors. Désolé, j'ai demandé votre numéro à Harry. Je voulais... S'il vous plaît, revenez au labo. On doit vous retirer le symbiote. Il a déjà une forte emprise sur votre esprit, et ça ne peut qu'empirer. Je suis occupé! Personne ne m'écoute! Les frères, je vais vous laisser là. Je sais que c'est passionnant, mais malheureusement, il ne faut pas que je fasse des épisodes trop longs. Prochain épisode demain ou après-demain, promis. Là, je dois filer, je dois aller faire mes trucs. Mais on se tient au courant, la famille. Abonnez-vous, prenez soin de vous. Et mettez un like et des commentaires et tout. Allez.
Bisous tout le monde. Désolé, je parlais pas beaucoup, mais je suis à fond dans l'histoire, vraiment.